doigts, regardez mes doigts. Il bouge tout seul. Je ne tiendrai pas, je ne tiendrai pas. Je crois que je suis en mort. Ça a vibré là, non? Arrêtez! Vous savez très bien que c'est pas possible. Pas de vibration, pas de sonnerie, car pas de... Pas de... Téléphone. C'est horrible. Je me sens tellement mal. Je me sens tellement seule. Je m'ennuie tellement. Cette fois, ça a sonné comme pour un message. Stop! Pour la millième fois, je vous le rappelle, il n'y a pas de téléphone ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est horrible. Terrible. Affreux. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver? C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? C'était une journée normale pourtant. Normal. J'ai un truc à dire. Attends deux secondes. Allô? Ouais. Oh non. Tu mens. Je t'envoie un texto pour te le dire, le truc. Toi tu cours et moi je te filme. Non, toi tu cours et moi je te filme. Ici on courait tous les deux, c'est plus bon. Ah ouais. Tu veux ma petite? Quand je te gêne. Tu m'écoutes pas là? Si, si, je t'écoute. Non, tu ne m'écoutes pas. Jamais tu m'écoutes. Toujours sur ton truc, là. C'est bon, mamie. Ah, la bonne échelle de jour. T'as quel niveau? 32 et toi? 28. On ne devait pas faire la vaisselle. Vas-y, c'est bon, on finit la partie. Arrête! Là, ils ont fait tout. En classe, allez, c'est l'heure. Bon, rangez vos téléphones, s'il vous plaît. Viens, Pac-Man. Rangez-moi ça. T'as mis l'iPhone 7 pour mon anniversaire. La chance. Qu'est-ce que je viens de dire? Hashtag les mots, c'est chiant. Ah, je vais... Vous rangez vos... Je parle français pourtant, vous rangez vos téléphones, oui. J'en ai marre. J'en peux plus. Tu ne fais plus rien à la maison. Tu ne nous parles plus. Tu ne nous regardes plus. J'en ai marre. Mais maman. Tu ne vois plus tes amis. Tu ne téléphones plus à mamie. J'en peux plus. Mais papa. Ça suffit. Maintenant c'est fini. Fini. J'ai pris une grande décision. Tu vas aller en cure de désintoxication. Cure de désintoxication. C'est quoi ça? Je suis trop jeune pour aller en cure. Désintoxication, comme pour les drogués. J'en ai pas besoin. Je ne comprends pas. Je ne suis pas droguée. Je sais me contrôler. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis pas accro, moi. Mon téléphone, je m'en passe quand je veux. De toute façon, on n'a pas eu le choix. Nos parents avaient décidé. C'était comme ça. Nous avons donc inauguré le premier centre de cure de désintoxication au téléphone portable. Et voilà ce que ça a donné. Bonjour, je m'appelle Evan et je suis accro au téléphone portable. Bonjour Evan. Moi c'est Roman et je dois l'avouer, je suis dépendant au téléphone portable. Bonjour Roman. Je suis là, c'est à cause de mon téléphone portable. Je l'utilise trop, beaucoup trop. Je ne passe pas une minute sans le regarder. Sans me demander où il est. C'est à cause des jeux, ils sont trop bien les jeux. Moi je joue à Candy Crush et j'adore ça. Moi c'est les snaps, je ne fais rien sur Snapchat. Je snap tout le temps, je snap tout et rien. J'envoie 100 textos par jour. J'envoie tellement de textos que des fois j'en oublie de manger. Je l'utilise la nuit et le lendemain j'ai du mal à me lever. J'ai fait tellement chanter mon téléphone que des fois il me brûle les doigts. Mon téléphone c'est toute ma vie. Les photos, les vidéos, les jeux, la musique, les applis, je ne peux pas vivre sans lui. Prends soin de toi.
horrible. Je me sens mal. Je me sens seule. Je m'ennuie. Mes doigts, regardez mes doigts. Ils bougent tout seuls. Je ne tiendrai pas. Je ne tiendrai pas. Oh, je crois que je suis en manque. En plus, ils nous ont laissé tout seuls. C'est quoi cette queue? Il n'y a rien à prendre. Pas d'activité, pas de conférence. Ils nous ont juste laissé là sans rien. Ni téléphone, ni télévision, ni console de jeu, rien. Rien. Vous faites travailler votre imagination. Voilà ce qu'ils nous ont. Oh. Eh les gars, j'ai une idée. Et si on s'échappait? Comment? Je sais pas, moi j'ai juste une idée. Faudrait déjà s'acheter par la porte. Ouais, et après? On court. Super, et après? Bah, on rentre chez nous. Mais comment on fait? On est au moins à 5 km de nos maisons. T'as raison, et puis surtout, une fois chez nous, qu'est-ce qu'on va dire à nos parents? Les gars, je crois que vous oubliez un truc super important. Nos téléphones. Vous croyez quand même pas que je vais laisser mon téléphone enfermé ici, pour toujours? Ah ouais. Réfléchissons plutôt à un plan de libération de nos téléphones. T'as raison. Les filles, vous vous souvenez du séjour de cet été? Celui qu'on a fait à la montagne avec la mutagène. On a pu une belle revenue, on a pu plein de beaux paysages. Non, je ne m'en souviens pas. Toutes mes photos sont sur mon téléphone. Pourquoi tu parles de ça maintenant? Bah, plus on me fait un peu mal à ma tête. C'est vraiment bizarre. Non, ça marche en fait. Quand je pense au Maroc, à la maison que j'ai là-bas, je me sens bien. Sortir dans sa tête, ça marche, je me sens mieux. Comment on fait? Bah, tu te concentres, et puis tu penses aux odeurs, aux couleurs, et puis tu passes avec. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour mon concours de gymnastique. Si je gagne, je pense que ma mère m'achètera l'iPhone 7. T'es sûre? Parce que là, je pense que nos parents sont vraiment fâchés. En fait, je m'en fiche. J'adore la gym et je veux gagner. Une activité, c'est ça qu'il me faudrait pour penser à autre chose qu'à mon téléphone. T'as raison, réfléchissons. Je m'ennuie tellement. Je donnerais tout pour une partie, rien qu'une toute petite partie de Candy Crush. C'est quoi Candy Crush? C'est un jeu où il faut associer des fruits pour libérer des bonbons. Moi, j'ai des bonbons. Quoi, tu donnes? Non. J'ai une idée, on a qu'à faire un jeu. On associe des fruits comme dans Candy Crush. Si tu veux, réfléchis. Pendant cette cure. En même temps, on avait que ça à faire. Alors, on a inventé des jeux. Des histoires. On se sent bien. En fait, on a beaucoup discuté. On a aussi inventé un tas de plans d'évasion. Qu'on n'a jamais essayé en vrai. On n'a pas eu besoin. Ils nous ont libérés comme ça. Bon, vous pouvez y aller. Vos parents vous attendent à la sortie. Mais bon, vous avez quelques efforts à faire encore. Et surtout, n'oubliez pas ce que vous avez appris ici. Appris? Je ne vois pas ce qu'on a appris, mais la seule chose qu'on a retenue, c'est qu'on ne voulait plus jamais retourner dans cette œuvre. C'est trop ennuyant. Alors, on a pris de bonnes résolutions. On a pris de bonnes résolutions, je l'ai dit. Allez, juste une photo. Nous avons donc pris une bonne résolution et il fallait voir nos parents. Pour leur annoncer la bonne nouvelle. Maman, papa, je voulais te dire. Mais tu ne m'écoutes pas. Si, je t'écoute. Je vois bien que tu ne m'écoutes pas. Je regarde mes mails, c'est pour le travail. C'est la banque, je dois suivre nos dépenses. Je regarde la météo. Demain, on doit faire un barbecue avec les voisins. J'ai un GPS pour le trajet du retour. Maman, papa, ça ne va pas. Je crois que vous avez besoin d'une cure de désintoxication. Moi, une cure? Je ne suis pas droguée, je sais me contrôler. Je suis pas accro. Mon téléphone, je n'en passe pas, je veux. Vous avez un nouveau message.